Le leadership est évidemment un facteur énorme. Le leadership à tous les échelons peut signifier le leadership au niveau de l'école, au niveau du conseil scolaire, au niveau de l'État. Et si, par exemple, ces trois groupes de leaders ont un degré de cohérence dans un but commun, s'ils développent leur capacité mutuelle en collaborant et en sachant faire fonctionner le système, c'est ce qu'on a fait. Et il n'est pas possible de le faire si peu de leaders s'impliquent. On peut tout à fait lancer l'opération avec un leadership fort au départ. Mais si on souhaite une continuité, assurer une pérennité, il faut que plusieurs leaders aillent dans la même direction. C'est bénéfique à court terme, évidemment, pour accomplir davantage de tâches, mais en ayant plusieurs leaders, on s'assure d'un mentorat pour former les prochains leaders lorsque les gens prendront leur retraite. Nous obtenons en quelque sorte une continuité dans le développement du leadership, une cohérence pour poursuivre les mêmes objectifs. Et c'est ce qui donne des résultats probants.